Bonjour. Le marketing, ça ne vaut rien. Nada. Zéro. Marketing, zéro. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a là qui t'offrent un programme de marketing, qui te vendent un programme de marketing et tu vas dépenser 3 000, 5 000, même 10 000 euros. Et qu'est-ce que tu achètes avec ça? Tu achètes comme une Rolls-Royce, une Mercedes, je sais pas moi, une Audi, t'achètes une voiture. C'est toi qui es au volant. Parfois, t'achètes vraiment juste une très jolie voiture. Mais tu sais pas comment la conduire. On va te dire comment la conduire, mais on t'a jamais dit comment tu mets de l'essence là-dedans. C'est pour ça que le marketing, c'est zéro. Ça vaut rien. Ça vaut rien. La personne qui vaut quelque chose, c'est toi d'abord. Et les femmes que moi je connais, qui sont dans mon groupe Porteuse de Lumière, et peut-être toi t'en es une comme ça, une porteuse de lumière, ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont cette essence, tu vois, elles ont l'essence, un bidon, un énorme bidon d'essence, des litres d'essence, et pas de véhicule. Tu vois, d'abord tu dois avoir l'essence, d'abord tu dois avoir cette passion. Et beaucoup de femmes ont ça. Et puis après, elles se disent, oh non, mais ça c'est assez, hein. C'est assez, moi, je veux faire le bien dans ce monde et c'est bon, j'ai mon don. Non, mais vendre, je ne veux pas vendre. Non, moi non, ça c'est... Voilà comme ça. Tu as une passion, tu as un don. Qu'est-ce que c'est un don? C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Donc, tu ne crois pas en Dieu, c'est un don de l'amour, un don de la vie, un don de la lumière, un don de l'univers. Tu donnes le nom que tu veux, tu as un don. Un don, c'est un cadeau. Tu as reçu. Et tu peux prendre un cadeau et dire, oh, je l'ouvre pas. Ben non, il est très joli comme ça, je le laisse emballer. Tu peux aussi dire, ah ben je vais l'ouvrir. Oh, magnifique, je vais le regarder. Qu'est-ce que tu fais avec un don? Ça t'appartient et tu peux choisir. Une fois que tu décides, j'ai un don qui est utile. J'ai un don qui est peut-être cette baguette magique. Bon, ça, on sait tous que ça n'existe pas. J'ai un don de guérisseuse. J'ai un don d'enchanter le monde. J'ai un don de faire danser les gens. J'ai un don de donner la joie. J'ai un don de ceci et cela. J'ai le don de l'écoute. Tu peux avoir beaucoup de dons. Et une fois que tu décides et que tu sens cet appel au fond de toi, et tu dis je suis là, je veux faire quelque chose avec ça. Je ne veux pas qu'à la fin de ma vie, ce don va aller être enterré avec moi et que le monde ne l'aura jamais vu. Imagine-toi Mozart, qui n'aura jamais fait de musique. Il pouvait, hein? Tu peux, toi. Mais tu as un don. Et tu sais ce qui se passe. Là-dehors, il y a plein de gens qui ont besoin de ton don. Sinon, tu ne l'aurais pas reçu. Ça, c'est ma conviction. Ils sont là, ils ont besoin de toi, ta vibration, ton expérience de vie, ta manière de parler, ta manière de les aborder, de les écouter, de les accueillir dans ta vie, ta manière, toi. Et donc, maintenant que toi tu te trouves à cet endroit, tu as ce don, tu as reconnu ce don, tu l'as reçu le don, tu l'as accepté le don, tu as décidé de faire quelque chose avec ce don, c'est à ce moment-là qu'ils te font un véhicule. Ils te font un véhicule. Moi, tout ce que je touche, tout ce que je fais est magique. Les groupes que je mène sont des groupes magiques. Ne me demande pas comment je fais ça, c'est mon don, ça, je pense. Il se passe des choses magiques dans les groupes. Et j'ai créé un cours pour toutes ces femmes qui ont l'essence, mais pas la voiture. Alors, mon cours, ce n'est pas la Rolls-Royce. Hein? Ça n'a pas non plus le prix d'une Rolls-Royce. Mais cette voiture-là, elle te permet de voler, elle a des ailes. Si tu l'utilises. Parce que dans ce cours où tu peux t'inscrire, je vais te mettre le lien, dans ce cours, je te apprends comment fonctionne cette voiture, petite voiture, mais qui va te mener quelque part, puisque je vais te montrer aussi comment tu t'assieds là-dedans, comment tu la conduis, et je vais te dire aussi, toi, tu as l'essence. Je vais te montrer où on met cette essence et comment tu mets cette essence. Et c'est toi, ton essence, ton don, qui va faire rouler cette voiture. Tu comprends très bien que cette voiture t'est destinée. Ça s'appelle le marketing. On s'en fout comment ça s'appelle. C'est un système, une technique, un outil, un véhicule qui permet à
Coco Sénène, un véhicule qui permet à ton âme et ton don de véhiculer, d'avancer. Et donc, j'ai créé ce cours parce que j'utilise mon véhicule. Et c'est un peu une copie conforme. Tu vas lui donner la couleur que tu veux, l'énergie que tu veux, parce que c'est toi qui vas mettre ton énergie. Tu vas lui donner la direction que tu veux. Et c'est un cours comme ça, un mois, avec un chiffre magique. Il coûte 333 euros. Parce que 333 fait 9 et va regarder la signification du 9. Et c'est un cours exactement le miroir de ce que moi j'utilise pour que toi tu puisses me regarder ici, que tu puisses voir ma vidéo, que tu puisses m'écouter. Un système qui fait en sorte que les personnes me trouvent, les personnes qui ont besoin de me trouver me trouvent. Et si toi tu es une porteuse de lumière, j'ai envie que tu regardes ce lien que je vais mettre et que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux rester là avec ton don en train de tergiverser, en train de procrastiner? Quelle serait cette magnifique voiture, cette Mercedes, cette Rolls-Royce qu'il te faudrait pour ton magnifique don, pour pouvoir aller courir, rouler jusqu'à tes clients et dire « je suis là » et tu ne sais pas quand? Ou est-ce que tu veux commencer ça aujourd'hui? Le mieux encore hier ou demain. Et monter à bord avec ce petit groupe, avec le groupe, je ne sais pas quelle taille il va avoir, de ces femmes passionnées comme toi, des femmes qui ont un don et qui veulent être trouvées parce qu'elles ont quelque chose à donner et elles sont là avec leur cadeau, attendre que quelqu'un en a besoin. Si tu es une personne comme ça, il te faut un véhicule, peu importe lequel tu trouves. Mais ce que je te conseille, c'est de bien écouter ton cœur. Écouter la personne qui présente ce véhicule. Comment est-ce qu'elle parle? Est-ce que ça résonne avec toi? Parce que je peux te dire qu'on peut se perdre là-dedans. On peut dépenser une fortune pour un véhicule que tu ne vas jamais faire rouler parce qu'on ne t'apprend pas ça. On te donne le véhicule, on te dit « boum, voilà, débrouille-toi maintenant ». Et ça, c'est vraiment douloureux, ça, quand tu te dis, tiens, je vais avoir un truc qui roule, et on te donne une sorte de casserole très, très, très jolie, qui pourrait rouler, mais ce n'est pas la bonne pour toi. Quelque chose de ce genre. Tu peux mettre l'image là-dessus que tu veux. Je dis ça parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai acheté un cours de marketing qui a coûté très cher, en tous les cas pour moi à l'époque, et je ne suis pas avancée d'un poil en 2 ans et demi. Et ce qui s'est passé dans ce véhicule, c'est que moi, je me suis donné la faute. Que je me suis dit, c'est moi qui suis nulle. C'est moi ce que je fais, c'est nul. Je n'ai même pas de don. Qui suis-je pour avoir un don? Et mon professeur de conduite, elle était à peu près d'une même opinion. C'est Gorun Sakon. Elle n'avait pas compris comment ça fonctionne, que je devais mettre mon essence et pas un. Hein. Et elle me dit, oui, Gorun, t'arrives pas à rouler. Je laisse tomber. Non, mais je crois que, tu sais, c'est pas pour tout le monde ça non plus, hein. Moi, en tous les cas, je ne suis pas un professeur comme ça. Je ne suis pas un coéquipier comme ça, je peux te le dire. Je tombe amoureuse des projets de mes clients et je vois le potentiel chez mes clients que mes clients elles-mêmes sont totalement incapables de voir. Pourquoi? Parce que je suis plus loin qu'elles et que je connais le chemin. Et donc, ce cours, je l'ai créé avec, comment dire en allemand, l'encre de mon cœur. On dit ça en français. C'est le système que moi-même j'utilise et je pense que si tu n'as pas de système en place, de visibilité, grandir ta liste, avoir quelque chose qui fait en sorte que tu es visible et qu'on puisse te trouver, que les bonnes personnes te trouvent, il te faut quelque chose. Donc, clique sur ce lien et réfléchis à ça. Tu peux commencer demain, on peut commencer ensemble. Si tu as une question, si tu as un doute, on en parle. Moi, je ne vais pas te pousser dans un sens ou un autre, je vais juste t'aider à faire une décision clair, prendre une décision, ta décision, en sachant ce que tu, on va pas dire rater, ce que tu choisis, parce que tu vas choisir quelque chose. Et donc, un choix, c'est quelque chose qu'on devrait faire avec une clarté. Si tu prends rendez-vous avec moi, bah, ça faudrait que ça soit aujourd'hui ou demain. Tu vas avoir cette clarté et tu vas pouvoir prendre une décision et tu vas avancer grâce à ça. Ça, c'est sûr et certain. Et si je peux être à ton service avec ce système, c'est avec grand plaisir, parce que si tu m'écoutes
Et si tu es une porteuse de lumière et que tu as un projet, que tu as un don, mon ambition, ma mission de vie, c'est te donner, redonner aux femmes cette puissance qu'elles ont de toute façon. Dégager les choses qui sont encombrantes pour refaire sortir cette puissance avec laquelle toi tu es née et moi je suis née. Cette magie d'être une femme, cette magie d'être ce que toi tu es et ce que moi je suis. Et ensemble, dans une sororité, nous allons potentialiser tout ça. Nous allons éclater les plafonds de verre. Tu sais, c'est ce qu'on dit toujours. J'aime pas cette expression. Mais nous allons éclater ces limites, ces croyances limitantes qui font que toi, tu n'es pas encore là où tu devrais être. Les clients, tous les clients que tu peux trouver ne t'ont pas encore trouvé. On peut y travailler ensemble et ça va plus vite en groupe. Et ça va aussi plus vite quand tu te décides et te dis, dans un mois, je serai quelque part. Si je peux t'être utile, c'est avec grand, grand plaisir. Parce que je suis convaincue que nous devons faire ça ensemble, toutes les femmes ensemble, nous devons nous éveiller et nous devons agir. Ça, c'est important. À l'heure actuelle, plus important que jamais. J'espère donc que tu vas prendre cette décision de arrêter de freiner et dire ok, là, boum, j'y vais. Parce que là dehors, il y a des clients, il y a au moins une personne qui a besoin de moi à l'heure actuelle. Il a besoin de moi parce que moi, je sais faire ce que je sais faire et je peux aider cette personne. Et s'il n'y en a qu'une, ça vaut la peine. Je te souhaite une belle journée. Coucou, c'est Nen, et faire un coucou qu'on peut pousser dessus. Merci de m'avoir écouté et comme j'ai dit, je vais mettre le lien ici, tu le trouves de toute façon sur ma page et dans le groupe Porteuse de Lumière où je vais faire une watch party là. Et viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre. T'auras une petite Fiat ou un truc qui peut voler. Qui peut voler. Ça, c'est le secret.